Hola YouTube et bienvenue dans ce deuxième épisode des Guacamole. Il est mouru dans les maisons de El Presidente, tué par Caracas. Et aujourd'hui, il avait m'évager, il avait péter les têtes. Il avait essayé de continuer. Ah, rappel, oui, c'est ça, il faut utiliser les touches pour esquiver. Olé! André, André! Ah non, merde, ça c'est espagnol ça. Il se téléporte? What? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oh, 67 hits! Incroyable! Oh, allez! Prenons maintenant l'argent des abonnés. Non, je fais pas du tout ça pour l'argent. À SNCF, c'est possible. C'est possible, on connaît. Santa Lucetta. Ah non, c'est un cri d'horreur, pardon. Ah, Descoretto vient de traverser la ville en apportant une fille avec eux. Ils l'ont emmené vers le temple qui se trouve à l'ouest. En ce dieu... Oh, merde. En ce dia de los muertos, les morts sont vraiment revenus. Il avait me caché dans la forêt, c'est un endroit sourd, n'est-ce pas? Oh, bienvenue à Santa Lucetta. Tu as rêvé de savoir te défendre, Rucador. Les habitants de cette ville auraient besoin de quelqu'un comme toi. Ne sois pas gêné, tu es un héros, c'est ton boulot. Pas vrai? Moi, je me casse. Je porte pas mes coronets. Ah, viva Pinata! Ah bah. Oh, on a bien fait d'y aller. Où est l'argent des abonnés? Madre de Dios. Madre de Dios. C'est vraiment un enfer. Voilà, il y a un taureau. Taureau dans le coin. Ah, les mamas. C'est horrible. Ils ont un discreto à traverser la ville en emportant une pauvre fille avec eux. Ils se sont dirigés vers le temple de la pluie, en haut de la colline, à l'ouest de la ville. L'ouest, c'est pas mal. Ah, mission secondaire. Notre compagnero de mandat a disparu. Seigneur, tu dois nous aider à aller la retrouver. Il avait essayé. Il avait essayé, mais il n'y est promis à rien. Ah, il est là. Notre banda s'est éparpillé dans tout Santa Lucetta pour retrouver notre copain. Sans lui, nous ne pourrons pas faire notre tournée sur la côte ouest. Sur la côte est. Ah, les combats. Brave petit. Oula, il a pas l'air commode. Qu'est-ce que tu regardes? Tu crois pouvoir te moquer d'El Bagno? Tu rigoles à moi quand j'aurai utilisé mon attaque spéciale, la chasse d'eau. Ok, bon, d'accord. Quelle chance pour toi, en un jour comme celui-ci, de rencontrer moi, le grand seigneur amour. Je ne crains pas de le dire, j'aime battre mes adversaires comme prêtre. Lui, il a un orgue à la place de lui, d'accord. Salutations, Locador. Je suis l'Astécras del Mago. Lorsque je suis sur le ring, on ne voit que de la magie. Elle voit souvent en rouge. Avec elle, ça bouge. Voilà. Enfant des années 80, cette chose. Ce petit morceau était pour vous. Il ne trouve pas. Bukake? Oula, oula, oula! Où est-ce que tu peux aller comme ça? Tu dois te faire tourner, c'est ça? Tu dois aller trouver le grand, le noble, le bon, le sage et l'irrésistible tour de serpent combo chicken. Manitas du clavitas, c'est ça. Il est de retour en ville. Il saura te montrer ce qu'il faut savoir pour entrer dans les temples. Voyons voir les cartes. Ah ok, d'accord, c'est là-bas. Il était où? Il était là. Ah. Ah. Mon frère a la sœur manie de se mettre dans des situations impossibles. C'est vraiment pénible pour toute la famille. Il est encore disparu.
mais ne dois pas être loin parce qu'il y a un temps. Si tu le vois, tiens-moi au courant. Ah, va falloir qu'il aille péter le... Ah, il a pété le coffre. Non, ma pas vous. Olé. Eh oh, si tu connais un moyen de traverser les murs, ça serait bien. Il connaît pas les moyens de traverser les murs. Ah, il est là. Ah ben oui, il est là. Je suis le grand combo chicken, bienvenue dans mon dojo. Si tu comptes attaquer à Karaka et à ses forces du mal, tu as beaucoup à apprendre. Commençons par le combo de base à trois coups. Poncho. Poncho. Où qu'il est encore cet enculé. Poncho. Poncho, dis bonjour au Rocador. Hein? Oui, oui. Tu seras payé après la démonstration. Ok, vas-y. Il va me faire poutrer. Ouh, il est pas beau. Ah, XXX. Pas mal, pas mal. Tu peux aussi l'exécuter en l'air. Allez, Poncho. Un prime de risque. Segnagno, segnago, frappe comme un chaton. Allez, Uru. Ah, il a pété le combo. Appuie sur R et X pour exécuter l'ascenseur de Rocador. Ça te permet de poursuivre le combo en l'air. Oh putain, ça se complique, hein. Ok, appuyez sur O et B, exécute le coup du coq et vous envoie dans les airs toi et ton ennemi. Je l'ai un peu perdu là, je suis désolé. Putain, le timing. Pourquoi ça? Tout simplement parce que j'appuyais pas sur le bon bouton. Ah là 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 là. Maintenant, associer l'ascenseur du Rocador et le coup du coq en un même combo dévastateur. Oh putain! Alors, tu fais ça, tu sautes, d'accord. Et ensuite, tu fais ça, d'accord. Y'allez presque. Y'allez presque. On va y arriver. Putain, quoi! Je me gourde le bouton à chaque fois. Ça, ça, et après je me trompe. D'accord. Non, je l'ai raté, pardon. My bad. Ah bah voilà. Excellent, c'était facile, non? Oui, tout à fait. Des oiseaux qui volent dans la pièce? Comment osez-vous vous manquer de mon incapacité à voler? Après tout ce que j'ai fait pour vous, hors d'homme à vous! Ne t'inquiète pas, quel diva celui-là! Je crois que tu es prêt à relever les défis qui t'attendent. La bande de Caracas se dirige vers le temple. On les a entendus parler d'une cérémonie maléfique. Tu ferais bien de partir au plus vite si tu veux les arrêter. Oh, et reviens me voir pour que je t'enseigne d'autres choses. C'est Trump le boss de fin. J'en sais rien. Peut-être. Qui ça? Trump? Si tu n'as pas un pour mouiller, bien sûr. Ah, y obtenons un succès. Un succès. Et il prend cher le sparring partner. Ah, il était planqué. Viens là, la poulette. Viens là, la poulette. Poulette. Il est perdu la poulette. Est-ce que vous connaissez un moyen de traverser le mur? Il n'y a pas les capacités. Il n'y a pas la capacitat. Toi, je peux pas te balancer, non? Des fois? Non, bah non. Elle est où la poulette? C'est ça. Allez, t'es là. Oh. Los Casa Crusher. Ah! Alors, cette affiche. Allez, petite anecdote. Cette affiche fait donc référence à un jeu qui était sorti sur le Xbox. Sur la Xbox. 360 ou One? J'ai un doute.
qui s'appelait les Castle Crashers, et c'est un jeu excellent. Si vous avez l'occasion d'y jouer, jouez-y. C'est un jeu qui se joue à 4, qui se joue qui est juste exceptionnel. Un peu dur par moment, mais franchement, à faire à plusieurs, c'est vraiment l'éclate. Donc je rappelle le titre, c'était les Castle Crashers. C'est ça, sur 360. Merci Zaman. Alors, ils allaient en direction du temple. Si, si, petit poulet. Je suis bien un objet inanimé. Un peu plus près. Ce maïs sur le sol semble être bien bon. Oh. Olé, tu dois franquer la frousse. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, il n'y a pas toujours été cette vilaine tête, Olmec. Avant, j'étais avec les frères Olmec, mais ils ont été éparpillés à travers le monde. Si tu tombes sur l'un d'eux, il pourra te téléporter jusqu'à moi. Ah, c'est donc un téléporteur. Très bien. Ah, voilà. Plus d'infos grâce à Zaman. Merci à toi. Temple de l'appui. C'est parti! Est-ce que je peux acheter une compétence? Le morceau de souffle. Ah, bon, on va prendre ça. Olé. N'effet que passer. Ah mais tiens, c'est l'autre. Voilà, voilà, voilà. Une minute. Tu veux entrer dans le temple? Viens, viens, et crois-moi, tu vas pas aimer du tout. Des créatures surgissent de nos parts, et il y a eu que j'ai aperçu le monde des morts. J'ai failli laisser ma peau. Au moment où il se sortit, le temple s'est refermé hermétiquement. Alors, il ne voit même pas comment tu pourras y accéder. Il va tout péter. Hop là. Merde, je vais envoyer là-haut. Ah oui, il y a plein de coups à donner. Ein Minuten. Ah, il a 8 ans. Ah oui, quand même. Ah. Bon, ça alors, qui voilà? N'est-ce pas ce Lucador dont Javier parlait? On dirait qu'il a oublié de décrire le meilleur. Ah, Lucador, détends-toi. Je suppose que tu cherches Caraca. Il est parti avec tête de torchère et la fille pour préparer sa cérémonie. Et si, au lieu de les poules chasser, tu restais t'amuser un peu avec moi? Avec grand plaisir. Bam. Petit coup de cul. Aucun effet. Si on se revoit, tu verras peut-être que je m'intéresse à toi. Mais pour l'instant, la librairie domestique de Caraca a besoin de moi. Il se sent seul et il a besoin de... bonne... grosse... caresse. Double sens. Allons, Chess, nous avons un invité. Installez-le confortablement. Vachement fiable la projection. Non, c'est parce qu'en fait, j'appuie pas sur le bon bouton. Oulé. Tu te calmes. Voilà. Boum. Allez. C'est une technique speedrun. Exactement. Pardon. Pardon. Qu'est-ce qui... calmez-vous, ouais. Je ne suis pas ce Mexicain que vous recherchez. Sans défaut. Toma perro! Rappelez-vous des techniques enseignées. Alors, non, t'as pas compris le boulot de Modo. Faut dire, je te conseille de regarder un des prochains lives de Clash Earth. Non, non, il a pas changé. Non, non, mais en même temps, il n'y en a pas vraiment. Mais... ah, donc on est revenu là. Est-ce que si je regarde en arrière, il n'y a pas un truc à...
Revenons, il faut toujours revenir en arrière dans ce type de jeu. Il peut y avoir des trucs. Ah, ou pas. Oh my god, levels! Office en vie. Level 15, incroyable. GG Zaman. GG Ramon. Ah, bah voilà. Tout simplement. Ah, ça sent les bonnes ambiances. On va voir si je passe en bas. Non, là je peux pas, du coup ça fait. Il faut backdash de Zandra. C'est ça, exactement. Allons par là. Oh mon dieu! Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Hop, là tu fais ça. Ensuite, il faut faire. Non, bah non. C'est quoi l'embrouille? Ah mais j'ai pas le double saut. Je pense que on peut passer avec le double saut. Tout simplement. Alors. Il est pas assez pour une compétence. Il me semble que tu dois y venir plus tard. Ouais, c'est ça, c'est quand j'aurai. Je pense aussi, oui, effectivement. Cartman et Zaman. Oh! Et grosse bébête. C'est pas moi! Ah oui, c'est ça. Hop là! Salut! Il est bien fait. Heureusement, les motos sont là. Ah. Quel drôle de bête. Easy, ça, facile. Bon, j'étais concentré, j'avoue. Ah. Faisons ça. Non, je pouvais passer. Attends, je pouvais passer là sans utiliser le pouvoir. Ah oui. Exact. What? Ah merde, putain, je l'ai pas vu. Oh putain, je l'ai pas vu. La bonne nuit, Asta. Vous croyez qu'on peut le poutrer, lui? Bonjour. Au revoir. Ah. C'est la biquette, rappelez-vous. C'est Guacamole. Pourquoi est-ce que tu as démoli mon perchoir chouzo, mec? C'était mon perchoir. La prochaine fois que tu voudras un pourvoir, demande. Ok, il va t'apprendre le coup que tu as obtenu de la statue. Il se gratte le paquet. Celui-là, il l'appelle le saut de cabri. C'est fastoche, appuie sur A quand tu heurtes un mur pour faire un saut de cabri. Mon copain me disait de l'appeler le saut de mur, mais ça ne sonnait pas assez cabri. Ah, le saut de cabri. Ah, d'accord. Facile. Ah, les grosses bébêtes s'est réveillée. Cabron. Statue de Clodo, c'est un peu ça. Ah, il est parti. Il avait pas allé dehors tout de suite. Il avait continué un petit peu. Ah. Hey mec, c'est toi, un coup de fatigue sur le mur, appuie-toi dessus pour t'agripper. Ah oui, d'accord. On
peut... Très bien. On peut rester accroché. Ah, ouh, j'avais pas vu. Super Meat Boy. Easy. Qu'est-ce qu'on a? Attendez. Oui, bah c'est ça en fait. Il faut retourner. Là, on va pouvoir y aller normalement. Quoi? On peut pas s'accrocher sur ces murs-là. Ah merde, on va être obligé de revenir plus tard. Encore plus tard. Honnêtement, on va aller tout en haut. Ah, alors? Tu pourrais y revenir genre beaucoup plus tard, d'accord. Olé. Olé. Je pense que ça aussi on reviendra plus tard. Ah, raté. Et faire le tour là. Pas trop vite. Ah putain, ah oui, par contre on peut pas le diriger, d'accord. Non, ça tu pouvais le passer. Non, je pouvais pas. Ah merde. Je ne pouvais pas le passer. Alors? Mais alors? C'est fou ça. Non. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est bon, j'ai trop... C'est bon. Vous énervez pas. On va y arriver. Oh putain, vous êtes... Non, mais pourquoi je saute? Ah putain. Je suis dans une boucle infernale. Merci pour le sel. Ça me fait plaisir de vous proposer du contenu de qualité tous les jours. Ah non, on peut pas y aller, d'accord. Ah bah c'est bien, c'est gentil de prévenir. Ah bah donc on est... Si, à mon avis, on est... J'ai fait tout ça pour de la... What? Attends, j'ai réussi tout à l'heure. Voilà, merci. Respectez-moi. Tout ça pour ça, c'est ça. Tout ça pour ça en fait. Je pensais qu'on pouvait sortir, mais non. Donc du coup, ah voilà. Voilà, c'était tout simplement par ici. Ça va être chaud. Ah, et bah bonne nuit Zamon. Bonne soirée et à la prochaine. Je sais pas comment traverser ça sans me faire chier. Si, il y a une idée. Il y a une idée, mais il est super. Si, il est passé. C'est que de l'esquive. Ah oui, oui, bah c'est bien, ça serait bien d'esquiver dans ce cas. C'est ça. Putain, je croyais que c'était des pièces. Il est sous com.
J'y suis, cabron. Ah. Ah bah non. Ah, il récupère un peu de coups. Un peu de cœur. Ah, c'est assez jouissif quand même, hein. Je vous avoue. Ah, il y a un nouveau combat. Il n'y a pas esquivé. Il soit vraiment un coup. Coucou, c'est moi. Coucou, tu veux voir ma vie? Alors. Non, arrêtez. Ouh! Il est gros celui-là. Il va nous faire chier. Ah, mais attendez, j'ai le super coup. Ah, ayez la piñata. Et un nouveau pouvoir. Écoute vieux, arrête de tout casser chez moi, sérieusement. Bon, le moment est venu de t'apprendre le coup de boule Olmec. C'est le cake. Appuie sur B quand tu es immobile pour envoyer des escoletos voler dans le ciel. Ormex Headbutt. Allez, continue avant que j'aille redire à ta mère. Il a un problème avec ma maman. Compétences. Oh, il y a assez pour m'acheter une petite récoupe de santé. Ça peut être bien ça. Oh, le souplex. Ça serait pas le descendant de Cusco. Presque, hein, on pourrait croire. On va prendre un morceau. Un récup de santé. Mais non, mais. Ah, si, j'ai assez. Récup de santé, ça va être bien, ça, je pense. Non, mais les costumes, j'ai bien. Il n'est fait que passer. Ah, oui, c'est ça, c'est. Boum, coup de boule, ma gueule! Ah, attends. Attends, comment tu veux que je. D'accord, tout simplement. Il faut vraiment ne pas bouger. Ah ouais, d'accord. Il faut avoir aussi des réflexes surhumains. Du coup. Oui, là où on n'était pas allé à droite, tiens. Chauffons mon timing. Merde. Encore là, c'est pas le pire. Ah. Ah bah bien. Oui bien. Oh, je te l'ai éclaté celui-là. Couché, sale bête. Viens là. C'est bon, t'es calmé. À toi. Parfait, perfecto. Oh, la grosse piñata. Et uno bonus. Oh, il va pouvoir reprendre un petit peu d'endurance. Alors, du coup, on a fait le tour ici. Eh bien, descendons. Merde.
Maintenant, on peut mettre des coups de boule. Voilà. Là. Ah, j'ai trouvé un téléporteur. Du coup, voyons là. Oui, il faut encore qu'on monte. Purée, il est énorme en fait ce temple. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Comme... voilà. J'ai pas esquivé, j'ai pas esquivé. Parfait. Parfait. T'avais pas un téléporteur? Non, je croyais. Ah. Ouh, ça promet des bonnes ambiances. Alors, on va d'abord aller voir là-haut. Ah, j'ai pas encore le pouvoir, parfait. Enfin, si j'ai le pouvoir, mais il faut arriver par en dessous. Oui, bien. Ah. Je peux le faire deux fois de suite? Normalement oui. Ou alors je fais ça. Je me laisse tomber. Là ici je saute. Là je me laisse tomber. Là je fais un grand saut. Je pense que c'est presque ça. Là je saute. Là voilà. Là je fais un grand saut. Là je fais ça. Et là non je meurs. Bon d'accord. Là essayons quand même. C'est chaud patate. Attends, là je descends, je saute, tac, là après je vais par là, là je vais là, et là je vais maintenant, là je meurs. Bon bah je sais pas. Alors je fais ça, tu fais ça, mais non mais ça revient au même. Ah mais non, attends. C'est ça. Voilà, et là je saute là, là je saute là, là je vais là, et là je fais ça. Mais voilà, mais puis c'était easy. C'était easy. Oh, magnifique. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire, j'avais le voilà. Ah non, attends, je vais pas te parler tout de suite. Et pourquoi il retourne en arrière après? Bah oui, mais là, là c'était sûr. Oui, il y a encore un morceau de cœur. Ah, c'est la tigresse. Lucador, tu n'as pas... Tu n'as, ah non, c'était... Lucador, tu n'as pas un allée brillée par ici? Il est grand, plein de couleurs, et il ressemble à un croisement entre un poisson et un chat-serpent. Il fait la taille d'une maison. Rah, est-ce que tu l'as caché, Lucador? Chaque seconde que je perds à chercher est une seconde plus que Caraca passe avec cette tente sacrificielle. Oh. Pardon de t'avoir infligé ça, Lucador. Il faut que je retrouve ce crétin d'Aribrie. D'Aribrie. La prochaine fois qu'on se verra, on pourra peut-être faire un tango. Chachos. Un poisson chat.
Ah. Salut. Il est gros votre tatou. Un poisson chasseur pour quoi. Qui vole, c'est ça. Oula oula oula. Ah, j'ai essayé de l'esquiver, j'ai pas réussi. Derrière du coup. J'ai gagné. Yes, oui, le pouvoir. Yes, oui. Pampana, el lucador. Pas content. Pas content. Iggy, pas content. Ah. Easy. Attendez, il faut que je me rappelle des coups qui m'a. Donc c'est si je fais ça. Ah oui, mais c'est un peu trop grand en fait. Merde. Oui, par contre, j'ai pas réussi à éviter. Attends, pousse-toi, j'arrive. Ah, tu vas dormir, bah écoute, Alien 62, bonne nuit, merci à toi d'être passé sur ce live, je te souhaite une bonne nuit et te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures de Lucador. Non, merde, ah. Il a fait de la merde, il a fait de la merde. Alors, voilà. Et ta mine est vraiment salaud. Putain, le timing. Le timing est serré. Il peut acheter une compétence. Les retards d'endurance réduit. Bon, on va prendre le retard d'influx, le retard d'endurance. Il n'est fait que passer. Il ne fait rien de plus qu'au passé. Ah. On dirait que cette terre a servi à la cérémonie de Karaka. Nous l'avons manqué, je me demande où ils sont passés. Nous devrions peut-être aller chercher des indices à Santa Lucita. Attends, qu'est-ce que c'était? Il y a un vilain pressentiment. Sortons vite d'ici. On se casse. Voilà le gros yeux qui vole. Non, pas, voilà. Ah, je suis passé. Non, il est pas passé. Il me laisse tomber. Il saute ici, il saute là. Il pète le mur. Il fait l'amour. Ah. Il passe comment? Il est comme ça. Hopelé. Il attend qu'il pète le mur encore. Oh, petit clin d'œil à Super Mario. Bien évidemment. Et gagné, muchachos. Ah, succès dévoyé. Ça, c'est un gros gâteau frito. Désolé, Lucador. Mais ta princesse est dans un autre château. Il ne m'appelle pas Mario,
Je suis El Lucador. Un autre château où se trouve également mon copain Caraca. Depuis que la fille du président est apparue, ma relation avec Caraca est tombée en miettes. Et il faut maintenant que tous son animal familier, la brarire, dont je devais m'occuper. Ah, je suis colère. Je te tirais sur le champ, Lucador, mais j'ai une nana attrapée. Et un homme à reconquérir. Ah, il faut revenir maintenant jusqu'à la ville. Parfait. Est-ce qu'on peut... Non, bon. Est-ce qu'on peut... Oui, ah, merveilleux. Oulé. Voilà. Oulé. J'ai trouvé les sorties. Ah, j'ai gagné un peu plus de vie. Bah non, mais là en fait j'ai plus une thune. Il est sur pauvre. Il n'est sur rien de plus. Utilise ta tête! Ouais. Je vois bien que tu me battes. Tu dois trouver ça plutôt cool d'avoir déniché une tête. Une deuxième tête, Ormac. Il peut te ramener en ville en un clin d'œil. Voir-moi. Quoi, moi? Veux-tu faire un voyage? Oui, j'ai fait un voyage. Il y avait à Loketa. Tu as compris, Ombre? Pas plus de 10 centilitres de liquide. Et on est revenu à Santa Loketa. Mais qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, toi, tu le sauras en regardant le prochain épisode qui sera disponible sur la plateforme YouTube. Et d'ici là, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Hola, muchachos. Caracos. Tequila.